Le son des haut-parleurs se propage dans les rues de la Médina de Tunis. Les voix se chevauchent et s'entremêlent. L'adhan, l'appel à la prière, est lancé 5 fois par jour et toujours à des heures solaires locales précises. Il s'agit d'une répétition ritualisée de mêmes mots qui brise le temps quotidien. Il s'agit de l'invasion sonore du territoire, de la purification par la voix, la construction de la communauté imaginée. De nos jours, l'appel à la prière est lancé par le haut-parleur. Et il est très rare d'entendre un muezzin comme ceux d'antan, qui 5 fois par jour devait gravir des centaines de marches pour, du haut d'un minaret, lancer d'une voix puissante l'appel à la prière. Depuis le minaret, le muezzin chante d'une voix forcée et aiguë. Autrefois, le muezzin mettait les deux mains autour de la bouche pour mieux diriger la voix, un moyen technique encore utilisé dans certains appels amplifiés par des haut-parleurs, comme le fait le cheikh Saïd. El Caire, amb més de 20 milions d'habitants, és la ciutat més gran d'Àfrica. Possiblement té unes 50.000 mesquites i cada una d'elles té el seu muetzí amb una crida singular.
De fet, el muetzí es fa seva la crida i utilitza una entonació pròpia. El Sheikh Zayed ha fet servir l'estil sultani i ho ha cantat amb un dels 7 modes àrabs clàssics. Altres vegades podem sentir influències dels turcs, que van dominar el país durant 400 anys, o bé influències de la núbia, de la gent del sud, que té un so més gutural i fan servir una melodia més silàbica. No hi ha una escola pel muetzí. Tampoc és un càrrec, senzillament és l'ajuda a la comunitat. A diferència de la pregària i de la recitació del coral, la crida a l'oració no té la mateixa consideració social. Cal només que sigui ben dita, que sigui entenedora, que sigui efectiva. Fa la mateixa funció que les campanes per als cristians o que el cor per als jueus. Ara bé, tot i la poca consideració social que té, és un element que sentim constantment a les ciutats de la ribera sud de la Mediterrània i és un element de la veu encantador i que té una presència molt elaborada. L'arrivée il y a une quarantaine d'années des amplificateurs et des microphones a changé la façon de lancer l'appel à la prière. À présent, cet appel est lancé du bas de la mosquée et il n'est plus nécessaire d'avoir une voix puissante. L'appel que nous entendons aujourd'hui est un appel moderne et adapté au temps nouveau. La beauté de la voix s'est transformée. Le son saturé des haut-parleurs, généralement vieux et usé, est devenu un élément emblématique de la ville. À présent, le muezzin n'a plus à forcer la voix et il peut donc la doter de mouvements, de timbres et d'ornementations. En outre, grâce à la technologie, il peut rivaliser avec la grande symphonie de klaxons et bruits de moteurs du Caire. Comme pour la récitation du Coran, pour les musulmans, l'appel n'est pas un chant, car le chant est uniquement profane. Et encore moins de la musique, car la musique implique obligatoirement des instruments. Il s'agit uniquement de la voix nue, qui transmet ce qui est divin. De nombreux musiciens pensent qu'il n'est pas convenable de jouer d'un instrument pendant l'appel. Il faut attendre, ne serait-ce qu'en fumant une cigarette, la dissipation de toutes les résonances des haut-parleurs. الصوت الحسن الناس يسمعوا النداء بيجوا عن من سمع بعيد يسمع الميكروفون بيعاوز يجي اما لو صوته غير حسن مش عاوز يسمعه بيقول له بطل بطل اما الاذان الصوت الحسن يجذب الناس حتى بالنسبه للناس اللي يسمعوا الاذان هنا حتى الاجانب او اي حد بيسمع الاذان هنا جسمه بيتشعر كده بيحس بروحانيه كده حتى لو غير مسلم بيسمع الأذان بيبقى منبهر بالصوت وعذوبة الصوت هي موهبة أو هي هبة من الله سبحانه وتعالى لا يعطيها إلا لمن اختصهم المولى سبحانه وتعالى وأكرمهم بهذه النعمة فعذوبة الصوت هي تعتبر من أهم الأدوات في عامل أو في شخصية المنشد الديني Le style de chaque muezzin adopte également différentes significations sociales. Ces dernières années, l'appel à la prière rapide et ornementée, provenant d'Arabie Saoudite, la terre du prophète, bénéficie d'un excellent accueil au sein de certains secteurs plus jeunes. De nombreuses chaînes de télévision interrompent leur programmation, et ce, même au milieu d'un feuilleton ou d'une série, pour diffuser des images de la Mecque avec la voix d'un muezzin de la ville. La voix change, mais l'objectif visé est le même. Et l'appel n'est plus lancé par les mêmes. Les muezzins disparaissent peu à peu, et c'est le cheikh qui dirige la prière qui lance lui-même l'appel.
والحمد لله حينما استمعت إلى المشايخ واستمعت إلى المقرئين واستمعت إلى المدحين بدأت تتكون عندي الموهبة الفنية التي تجعلني والحمد لله أستطيع أن أقدم الإنشاد والمدح النبوي للابتدائيات الدينية في كافة الاحتفالات وفي كافة المناسبات. الشيخ هو يعني عبارة يكون شيخ المسجد أو داعي إسلامية يعبر عن الإسلام الأذان الصلاة كده. الحمد لله الحمد لله متزوج وعندي من الأولاد محمد وأحمد ويوسف ما شاء الله. Nous imaginons peut-être l'appel comme un chant ancien, alors qu'il est très moderne et qu'il est toujours important d'avoir une belle voix. Très important la voix, très important, surtout pour apaiser un peu le fidèle, celui qui t'écoute et tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment, surtout le muazzin qui fait la prière, celui qui a une belle voix et qui maîtrise bien. Certes qu'on est dans un pays qui est laïque, qui n'est pas musulman, on n'a pas le droit de faire la prière avec une autre voix, mais on le fait à l'intérieur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dimanche après-midi. Dans les rues de Marseille, on n'entend pas de muezzin. La ville est envahie par les bruits des voitures, des sirènes et par le silence. Les voix sont emprisonnées dans les bâtiments. Guillaume va chez Adrien, qui habite les vieux quartiers. Ils ont rendez-vous pour répéter. Tandis que l'un accorde la guitare, l'autre révise les paroles qu'il a écrites. Il prépare un tournoi de slam, un genre poétique créé il y a une vingtaine d'années aux États-Unis. Adrien doit s'entraîner pour transmettre l'émotion des mots avec des vers qui veulent être une critique franche de l'actualité politique et économique. Une dénonciation des injustices sociales, de la violence liée au genre ou du racisme, comme l'est ce dialogue entre un jeune immigrant d'Afrique noire et un jeune né à Marseille. Matin, chant du coq, soleil sur tôle et sueur sur mon front. Quand je me lève ce matin, extérieur hostile, gouttière qui s'affole et chant de klaxon. Marre de cette ville, népotisme, prisme religieux, bourdonnement électrogène et convoi de berline politique à 200 à l'heure devant nos yeux, sans gêne. Marre de cette ville et de leurs élections, ramassage d'ordures, ordre public et déchets électoraux. À quoi bon me lever? Aucun lien sur le monde, aucune correspondance cloisonnée entre hiérarchie et culture orale. À quoi bon me lever? Descendre ces escaliers, affronter ces boîtes et ces lettres qu'elles regorgent? Rejet de cartes, radiation, inscription, trésor public, ressort sociétal, je me sens vassal, pris dans l'engrenage de ces enveloppes cristallisées. Oui, mais cette liberté, oui, toi, tu l'as, ce rêve, oui, toi, tu l'as, moi, c'est la pirogue qui m'attend, toi, le vol en charter de vaccins, et puis voilà. Oui, mais toi, tes valeurs, elles sont là, dans le regard de ta mère, moi, la mienne n'est plus là, elle se bat, elle est seule, tout comme moi. Être seule. Voilà ce que je veux. Juste pour savoir ce que ça fait de ne plus être une main parmi les autres, le fils de lui et de elle, le frère de lui et de elle, et puis la vérité, oui, la voilà, la vérité, je veux être celui qui revient à Cani, Ralph et Takini, la peau claire et la montre du boss, ne plus avoir le temps, être l'immigré, le français, le rêve prolongé, la fenêtre sur l'Occident, oh, moi, être seul, moi, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de rentrer chez soi et de l'allumer, cette télé qui nous éteint tous, cette télé qui nous anime, mime la modernité, pouvoir d'achat, rachat de société, débat politisé, star effet mouillé, et puis ce public qui applaudit ceux qui se marrent, les mimiques de ceux qui se marrent, oh, notre crise culturelle est profonde, et moi, je subis ces ondes qui m'accablent. Oui, elles m'accablent. Oui, mais cette chance, oui, toi, tu l'as, moi. Moi, d'un rivage à l'autre, oui, c'est ma vie que je joue. Oui, cette chance, oui, toi, tu l'as, moi. Moi, c'est ma vie que je joue. D'un rivage à l'autre, c'est ma vie que je joue. Un choix de vie que je loue, tu sais. Tu sais, d'un rivage à l'autre, ça peut durer 20 jours. De chez moi aux Canaries, ça peut durer 20 jours. Et puis, parfois, ça dérive. Parfois, ça dérive. Nous, on quitte tout.
On quitte tout pour venir chez vous. On quitte tout. Il vous expulse sur le chemin du chantier devant un tableau et une méthode qui révulse quota à respecter notre malaise, sécurité, crise sociale et chômage des partis qui font leur beurre sur vous. Évitons de ressortir les vieilles rengaines coloniales, mais des classes sociales osent le débat sur vous. La main posée sur les pages du Monde Écho, un expresso aux lèvres et l'acidité du cacao qui fond sous le palais. Il ose parler d'immobilisme africain devant un amphithéâtre rempli de thésards et d'agrégés dakarois choisir son immigration. Mais de qui on se fout? De qui on se fout? Les rouages capitalistes ont remplacé qualité de dentition par qualité de formation, stricte opinion rendant hommage à ce que le choix ne concerne plus, ce que le creux de l'Atlantique attend, l'abysse, la noyade, la plongée ténébreuse, le corps sur une plage, le corps salé, le corps échoué, un corps parmi d'autres, une histoire parmi d'autres, un drame éthique, non, juste une statistique parmi d'autres. El versador i el cantador necessiten un motiu. Si no hi ha motiu, com diuen que si no hi ha res que dir, lo millor és callar. Pues això passa, i dir, clar, tu has d'anar a una casa i has de saber, a banda del nom, pues que d'especial té aquesta persona, per què hi ha que fer-li, diguem-ne, aquesta nit el cant i donar-li un lloc preeminent o especial aquesta nit a aquesta persona. És important el control de la situació, conèixer la idiosincràsia de les festes. De res importa la meva ideologia, no? Jo sé que he d'anar a cantar, de vegades, a sants, mares de déus, alcaldes, que hi ha de tots els colors, a festes de tota mena. Diguem-ne que els cantadors i els versadors hem de travestir-nos una miqueta, diríem, entrar en aquesta situació, entendre la idiosincràsia d'aquesta festa, d'això que s'està produint ahir, i bueno, aportar el discurs, la part, diguem-ne, estètica, que és el cant, el virtuosisme, i també el missatge del vers. Pues també deixes anar la teua a algun ajuntament, igual hi ha que recordar-li que els han triat per a servir i no per a manar, o coses així, pues, bueno, pues hi ha, jo crec que hi ha possibilitat d'expressar el teu pensament, la teua ideologia, sense ferir excessivament a l'altre, però sí recordant-li on està la mesura. Tous les peuples de la Méditerranée autorisent la critique sociale si elle est chantée. Le texte dit, personnel et dramatique du slam de Marseille, accompagné de la guitare, ressemble fort au texte improvisé des contes de Lorca de Valencia. Les soirs de fête, le chanteur clame les mots que le poète improvisateur lui dit à l'oreille, accompagné par le groupe d'instruments quand il entonne les genres du chant de style ou par la dolçaina, au bois, et le tambourin quand il chante des obades. Gràcies a Sant Sebastià. Amigo.
el virtuosisme vocal no és de bades, o sigui que aquell que més pot, jo crec que fa bé, fins i tot, en demostrar-lo i en jugar, vorejant de vegades els terrenys difícils, i això els aficionats ho valoren quan els cantadors s'allarguen i pareix que ja, i sobretot ho arriben a tessitures quasi impossibles, els solen valorar-lo i sempre se senten com mentre s'està cantant, notes aixina, paraules ahí, valent, trau, no sé què, dir, aixina encoratjant una miqueta al cantador. Pues, ese és l'ambient del cant d'estil i aquesta improvisació damunt també du aparellada la improvisació textual, que és que allò que es canta normalment és improvisat. I si en la clavaria ahí apareixo. Diferències d'opinió. Diferències d'opinió. El desig de tot seria... Trenqueu la unió, el que mai trenqueu la unió. El que mai trenqueu la unió. I que reine l'harmonia. Les chansons d'Ibiza et de Formentera sont surprenantes. Une femme ou un homme raconte son histoire, personnelle et réflexive, ou celle de quelqu'un d'autre. Elle est seule à la raconter face à d'autres, en chantant des vers préparés à l'avance. À la fin de chaque vers, elle s'arrête avec une vibration très particulière. Il s'agit de la technique du chant redoublé. Une virtuosité de la voix qui légitime ce qui est dit. Et tandis que le chanteur exprime son sentiment le plus profond, il se couvre le visage pour bien se souvenir et soupeser les mots qu'il dit. Car il connaît l'impact du message qu'il chante et l'importance du mot prononcé. Són estudiants i volen viure de sebre que se n'ha anat percurant. I ens ajuda dels teus pares que són qui els ha anat pagant. Tots els gastos i els cabitxos que això els ha anat important. Treball més dignes per no enterrosar-se tant i nosaltres per fer com els altres posarem un restaurant. Victoria nous raconte son histoire personnelle, les raisons qui l'ont poussée à ouvrir un restaurant. Mais à présent, elle avoue avec élégance et intelligence qu'elle n'arrive pas à bien comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Victoria s'interroge sur les nouveaux modèles sociaux. Sa chanson est une critique subtile, mais tout aussi intentionnelle que le sont les accusations directes du slam ou l'ironie des poètes improvisateurs et des chanteurs valenciens.
Malgré les différences de style, de situation et de génération, il y a toujours un dénominateur commun. Chanter permet d'offrir aux autres une réflexion critique. La voix invite à la réflexion. Les gens vont au stade non seulement pour voir un match, mais également pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, pour créer le groupe social. Le groupe repose sur l'expérience corporelle et sur une rhétorique déterminée des sens. Le terrain de rugby est l'un des lieux ritualisés où les supporters se transforment en un groupe. Et ils le font en adoptant des emblèmes, des tenues, des mouvements et surtout à travers les mots. Car chanter des chansons, inventer des cris et chanter l'hymne sont des activités obligatoires. Le temple, le théâtre, la place ou le stade partagent la même fonction rituelle, la proclamation conjointe des voix qui font exister le groupe. Le soleil vient de se coucher. La chapelle de la confrérie est pour ainsi dire dans le noir. Les confrères ont entonné le Bénédictus pour terminer l'office catholique des ténèbres. Ils s'agenouillent devant la statue du Christ, entourée d'un tapis de romarin qui embaume les lieux. Ils frappent le sol avec les crécelles. Ils les font sonner bruyamment pour rappeler le tremblement de terre qui s'est produit juste après la mort du Christ. Les chants, les odeurs et la lumière créent une nouvelle réalité et les jours deviennent sacrés. La liturgie guide le monde dans une langue qu'il n'est pas nécessaire de comprendre. Chaque confrère tient sa voix dans une vaste polyphonie de transmission orale qui lui donne le sentiment d'appartenir à la communauté. La proximité entre les confrères est symbolique et physique. On observe clairement cette proximité pendant la granitula, la procession au cours de laquelle les confrères se regroupent en une spirale qui s'enroule et se désenroule.
dice si io non si pianta mai di cantare. Si passa da un canto all'altro così, sempre, sempre, sempre. Eh? C'è mai un momento di silenzio nella processione. Sempre, cioè sempre cantare. Dico, c'è oggi, comunque la musica, il canto, ci sono la settimana santa, cioè ci sono lavori, i profumi di siporchi, il profumo di canistrelli, poi c'è la luce che è particolare, c'è tutto quello che ci aiuta a portare a preghiera e a cantare insieme. Ma non c'è mica solo a oggi, se non ci fosse stato mica a oggi non bastava mica, c'è tutto, è in tutto il canto non è mica solo, il canto ci sono persone di noi, contano assai, perché se lo bastava a cantare, non sarei mica una confraternita. Forse chi desse stanchi ci mette in condizione perché boh, campiamo una tragedia, la morte di Cristo. Dunque, il fatto di essere stanchi ci mette un po' con della situazione di Cristo, la sua passione. Capisci? Dunque, c'è. Allora, e oggi so fiacche, e oggi sono stanche, ma c'è una potenza più importante. Di espressione e di canto. Dico sempre di amarvi. Sarebbe giusto. Invece che oggi facendo oh mio signore amato, cantano un voce di destra, mica anche i polmoni, mica anche il corpo, capisci? C'è giusto quello che canta, giusto quello. Invece di far cantare tutta la persona, l'osso portano il sonno, capisci? E dunque ci fa. Perché l'aria può essere via usone, cioè che tutta la persona sia in situazione di cantare e di far passare il canto. Le dico, cantate, mulate sta voce, aprite sta occa, non pensate più a cantare bene, cantate forte, portate il canto, perché il canto si porta, non si canta mica perché so, c'è una, io penso che c'è un problema, è un problema da tutta la corsa. Simo de, come dire, cerchiamo a essere come l'artisti. Cerchiamo a essere come l'artisti. Anche un microfono, a cantare bene, mica troppo forte, mica troppo. Ma voilà, cantare bene. Invece che un canto di processione non ha nulla a che vedere con un canto d'artisti. Un nemico, un bel canto nel suo senso qui. Capisci? Non è mica lo stesso senso. La villezza di un canto di Brugisio non è mica lo stesso senso, lo stesso peso che la villezza di un artista come chi canta meglio che me, sicuramente, come i cantatori corsi o catalani o francesi o italiani. E li cantano noi, ma un po' non mica cantare come cantiamo noi e a maniera che noi cantiamo. E penso che in questa cultura della gioventù d'oggi c'è la volontà di assomigliarsi all'artista che canta noi. E paese sciacamanati, ma
e Simone Antanascena, c'è tutta questa rappresentazione di cantaore. No, non siamo mica cantaori noi, siamo cantori. Les confrères corses ne sont pas des artistes. Ils chantent dans un but concret, pour demander pitié. Ils le font généralement dans deux langues, en latin et en ancien toscan. En Sicile, depuis le XVe siècle, quelques communautés originaires d'Albanie conservent une liturgie orthodoxe en grec et en albanais. En effet, la plupart des rituels religieux de la Méditerranée n'utilisent pas la langue parlée quotidiennement, mais les langues antiques qui leur confèrent une certaine image d'identité. Omitran parthenici naiasa sto tokosu Tehiras to Simeon evloisa so sebrepe Prophtasas genine so sasimas Christe o Theos Αλληλήνευσον εν πολέμης το πολίτευμα και κρατέως όλ τους πιστούς ους ηγάπησας ο μόνος φιλάνθρωπος. Του κοινίου δεηθώμε ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων Αμήν Άγιος ο Θεός L'ancienne langue des pharaons est devenue la langue copte. De nos jours, seule l'Église chrétienne d'Égypte l'utilise, conjointement avec l'arabe et le grec. Les coptes parlent l'arabe dans leur vie quotidienne. Cependant, le dimanche à la messe, ils chantent les mêmes paroles en grec que celles que nous venons d'écouter à Piana degli Albanesi. Il s'agit d'un exemple qui montre bien que des références antiques et communes permettent de construire des identités bien différentes. Les accents et les mélodies sont assez différentes, mais l'activité est toujours la même. Chanter. Oh.
ستة جيل لوحدي عايز حمارة عليه على السكينة وعدوا يقول له أي خير براس El venedor ha de convèncer amb la seva veu que du les millors síndries. És publicitat, però alhora també és convenciment personal. És el dir l'expressar-se que és poètic, és poesia de carrer i que ha de tenir ritme i rima. Per això el venedor fa rimar halawa, que en àrab vol dir dolçó, amb faraula, que vol dir maduixa. I no és precisament que les maduixes siguin gaire dolces, però en el vespre d'estiu d'Alexandria és la millor publicitat que pot fer i el millor convenciment poètic perquè tinguem ganes de menjar síndries. És el diàleg de tu a tu, cara a cara, una mica diferent del que hem vist de les expressions col·lectives, del temple, de l'estadi, on es construïa entre tots. Aquí, la legitimitat ve per la bona utilització de la veu, per la bona expressió d'aquest aparador que és la veu i que vol seduir els altres. Alhora, per això, també és una veu a l'ombra, una veu amagada, que no acostuma a sortir a primer pla. No és la veu de l'espectacle, no és la veu mediàtica que posaríem com a exemple d'un país o d'una societat. I, en canvi, ens expressa molt bé el sentir i el fer d'aquesta societat. Perquè en el fons són aquestes veus amagades, la veu humil de la crida de l'oració, la veu del venedor, la veu dels petits grups, la que potser ens expressen millor la tècnica del dir social, la tècnica que fa que la veu sigui la millor manera o pràcticament la gran manera de ser i de fer-nos ser entre nosaltres en la societat. Para que lo carrete tutto l'exo, l'avem fatto un cavallo baio da bari. Sì! O carrete è fatta per le metane, quando cammina suona come una campana. Ora lo cavallo è pronto per caricare, 80 cacciune se ne è caricato. Consumato, sì. Ma tali all'interno c'è 80 cacciune, ve ne confusione. Ma siccome un carrettiere è troppo bravo, ora mettiamo a caricare. 27 in domenica, 28 ore arriere e 25 ore avanti. Guarda che il carretto è troppo bravo, tu c'è due ciatuni posso buttare. Ora raccoglie, posso arrivare, scarica e carico il lamione. Come il lamione mettono a finire, il cavallo va a mangiare, roccia voglio e c'è a scarica. Ma siccome il cavallo è giusto, guarisca, è troppo manso, è bene le cose, c'è in maglietta. Sono patato non contenente, so, e poi c'è l'onzone bosca non ente, patata. Cabello, cabello che durerà, se pomaroro. Sono c'è pute calabrese, so, e poi c'è da vero. Ho lavato a negare vero, perché non so, 50 lire c'è pute, ne vanno un carrettazzo. C'è pure qualcosa, tenne nome, c'è qualcosa, fanno c'è papaccia, fanno c'è un giappaccia, c'è regalato nuovo scalore. Scalaro, scalaro che vanno per regalate, come le cacocciole, che ora se vanno mangiare po' per il ricco, ma si scappare, una lena per 25 cacocciole. Fanno c'è papaccia, fanno c'è un giappaccia, c'è regalato nuovo scalore. Guarda che io sogno vero, lascio la banneare. Giovanni Zuna nega nega, ma va a contentare. Signora, sì.
La voix ne transmet pas seulement des informations. La voix présente l'individu avec toute la puissance du corps. La voix dit et protège à la fois. Elle prend des risques, elle divise et elle séduit. Elle rend possible l'existence de l'individu et la construction sociale grâce à une élaboration sophistiquée du son. Chacun possède de nombreuses voix pour s'exprimer. Les voix insoupçonnables, presque cachées, qu'on trouve dans un grand nombre de cultures de la Méditerranée, nous permettent de connaître d'autres façons de dire, de se montrer et d'être. صلي صلي وعلى النبي.